partie des gens qui ont vendu la pâte, la main de la pâte, pour que Extra Musica puisse avoir quand même un carnet d'adresses en Europe. Et Tia, elle nous a soutenus à chaque fois. En dehors de Tia, nous avons lancé aussi des invitations. Je pense que la maison de mission qui produit, tente de produire l'événement, qui a été contactée, la liste n'est pas arrivée. Donc il y a les anciens sociétaires d'Extra Musica qui sont invités. Et bon, juste le temps de savoir par rapport à leur emploi du temps. Et par rapport à ça, on va essayer de vous répondre prochainement. Et pour le moment, c'est juste le contact. Donc il y a Pinochet Thierry qui s'occupe de la connexion entre la maison de notion et les anciens sociétés, les Français qui sont en Europe et ainsi de suite. Donc prochainement, on vous donnera la réponse sur cette question. C'est maintenant, ne veut pas dire, c'est une fête de retrouvailles des anciens. C'est 20 ans veut dire tout simplement avoir fait 20 ans d'Extra Musica. Et ceux qui ont fait 20 ans d'Extra Musica sont là présents. Je pourrais nommer Espebaz qui est là, je pourrais nommer Ramatoulaï qui est absent, je pourrais nommer aussi Sonore. Donc, Roga fête les 20 ans avec ceux qui l'ont accompagné pendant ces 20 ans. Mais il n'a pas été indifférent. Il a demandé à la maison de mission d'inviter ses amis qui veulent bien prêter le jeu, à venir faire la fête et à venir célébrer la fête des 20 ans et non la fête des retrouvailles des anciens membres d'Extra Musica. C'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas hésité d'inviter Kilambongo, qui a répondu présent, qui sera parmi nous. Nous avons aussi invité Abidissi, on a invité Emery Monda qui est déjà là, qui est là, qui est comme invité. On a invité aussi Durel Lumba qui fera partie. Et nous avons donc lancé des invitations comme ça. Et c'est à ceux-là qui veulent célébrer les 20 ans que Roga a su emmener jusqu'à là, d'être présent. Donc il faudra vraiment qu'on puisse éclaircir en ce sens-là. Et ensuite, pour créer l'image de l'événement, pour donner la grandeur, je n'ai pas hésité donc à inviter les artistes de la diaspora qui font aussi notre fierté partout dans le monde, tels que Passy, qui n'a pas hésité, qui a dit qu'il sera présent, il sera là en tout cas pour soutenir Roga. Par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Et il y avait un coup de cœur pour Tia qui nous soutient tout le temps, qui sera là. Et notre parrain qui n'a pas encore répondu présent par affiche, qui est Papa Wemba, qui sera aussi présent dans d'autres qu'on n'a pas encore cité. Je pense que tout ça, c'est pour donner un peu la grandeur, pour dire que l'enfant a grandi, l'enfant a 20 ans aujourd'hui. Il faut le féliciter, il faut l'encourager pour qu'il aille plus loin. Voilà, parce que, car si nous, aujourd'hui, nous laissons, nous abandonnons cet enfant à temps, ça sera des dommages. Voilà. Les anciennes sociétés d'Extra Musica qui vont répondre présents. Avec la maison de motion, on va essayer de je ne sais pas comment je peux dire, faire un peu la symbiose de ces artistes et les artistes d'aujourd'hui, d'Extra Musica, de faire un petit single. À travers ce single, on pourra récolter encore des fonds pour aider les artistes qui souffrent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des artistes qui ont des problèmes, on doit les aider. Et puis ainsi de suite. Voilà quoi.